qui a frappé notre pays hier. Et il faut que la France entière se mobilise contre ça. On ne peut pas comme ça porter atteinte à la liberté d'expression, porter atteinte à l'autorité de l'État. Mes pensées vont bien sûr à mon frère, mais également à son collègue qui est décédé, à son épouse, à l'épouse de mon frère, à sa fille, à son enfant, à toute ma famille. Maintenant, il va nous appartenir d'être forts. Mais il y a une chose, des fois, on a la sensation que la police est parfois mal comprise par les citoyens. Mais il ne faut pas oublier que le geste de hier témoigne que, quoi qu'il en soit, un policier, en toute occasion, saura s'interposer lorsqu'il faudra qu'il protège la nation. Et aujourd'hui, je veux rendre hommage à tous mes collègues, à tous ceux qui, tous les jours, se lèvent et vont faire un métier difficile. Je voudrais leur dire qu'ils pensent à leur famille. On prend des risques, mais qu'on sache profiter de notre famille quand on est avec eux.